was Hakuna Matata. Avec ses disciples, il a rompu le pain et l'a donné à ses disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Et aujourd'hui nous allons encore prendre ce pain aussi, qui est le symbole du corps du Christ. Puis ensuite Jésus a dit: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et je voudrais m'arrêter sur cette affirmation de Jésus. Quand il a offert la coupe à ses disciples, il a dit: buvez-en tous, ceci est mon sang. Ceci est le symbole de mon sang, le sang de l'alliance qui a été versé pour vous, pour la rémission des péchés. Quel est notre plus grand besoin? Si nous avions besoin d'argent, le Seigneur nous aurait envoyé quelqu'un qui va nous enseigner comment gagner de l'argent. Si nous avons besoin de connaissances scientifiques, il allait aussi nous envoyer quelqu'un pour nous enseigner la science. Et je crois que notre plus grand besoin, c'est le pardon. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est parce que nous avons péché, que nous avons perdu l'accès à l'Éden terrestre. Et c'est parce que nous avons péché que nous risquons que nous ne pourrons même pas entrer au ciel. Mais Dieu a voulu que nous soyons tous au ciel. Mais pour cela, il faut que nos péchés soient pardonnés. Et il a envoyé quelqu'un qui peut nous pardonner. C'est Jésus. Qui peut nous aider à recevoir le pardon. C'est Jésus. Savez-vous que le pardon, des fois, n'est pas facile à avoir. Hein? Si je fais une faute à l'égard de vous, est-ce que vous allez me pardonner? C'est pas facile d'avoir le pardon. Il y a de cela 4 ans, un mois de janvier, premier sabbat de janvier comme aujourd'hui, j'ai conduit pour aller à l'église. On était très contents, ma femme et moi, puis en chemin on chantait. Et lorsqu'on a chanté, on a oublié qu'on a dépassé la limite de vitesse. Et la police nous a arrêtés. Pensez-vous que la police allait nous pardonner? Non. J'aurais bien dire de dire: ah, monsieur le policier, vous savez, on est sabbat et on remercie le Seigneur, mais on oublie la vitesse. Pouvez-vous nous pardonner? Non, non. La police écrit et nous donne la contravention, et ça coûte cher, et la police ne pardonne pas. La police ne pardonne pas, mais Dieu pardonne. Mais savez-vous, ce n'est pas
un pardon gratuit que Dieu nous donne. Nous avons péché et nous demandons pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Puis Dieu peut dire, ok, je te pardonne, mais la prochaine fois ne fais plus. Non, 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 Dieu ne fait pas cela. Si tu as péché, tu dois mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et moi, je t'aime et je ne veux pas que tu meures. Alors c'est pour cela que j'ai envoyé mon fils pour mourir à ta place. Et le sang que mon fils a versé était là pour la rémission de tes péchés. N'est-ce pas merveilleux? Nous disons tout simplement, pardonne-moi Seigneur. Et ça ne nous coûte rien, mais ça a coûté la vie du Fils de Dieu. Et aujourd'hui, lorsque nous allons prendre cette coupe, j'aimerais, frères et sœurs, que nous ne nous réjouissons pas tout simplement du pardon que le Seigneur nous accorde, mais que nous soyons reconnaissants à ce Jésus qui s'est donné pour nous, pour que nous puissions recevoir le pardon. Et pour que nous puissions recevoir le pardon, il faut que nous ayons ce sentiment de repentance. Si nous ne regrettons pas les fautes que nous avons commises, Dieu ne peut pas nous pardonner. Repentez-vous. Ça, c'est la première prédication de Jean-Baptiste. Ça, c'est la prédication de Jésus. Ça, c'est la prédication des apôtres. Parce que nous avons besoin de pardon. Et pour avoir le pardon, il faut que nous sachions nous repentir, regretter le péché que nous avons commis et demander pardon à Dieu.